Allez, ouais, bonjour messieurs, on se voit pour une vidéo pour les ventes euh, de la fête de Toussaint d'Olight. Et oui, j'ai sorti les petits crânes, les potes, euh, tranquilles à l'occasion euh, de cette vente, ok Donc Olight euh, qui est partenaire de ma chaîne. Et oui, les potes, donc euh, partenaire de qualité hein, pour faire mon petit commercial. Mais bon, euh, je le fais que trop rarement. Mais bon, Olight, euh, c'est quand même de la bonne. Et moi, je suis fier de présenter leurs produits. <laughs> Bref, avant de déconner, euh, il m'a envoyé un Colitos euh, pour la vente de Toussaint, pour vous présenter un matériel, une nouvelle lampe. Et on va la courir, parcourir pardon, ensemble, ok Donc voici ce qu'ils m'ont envoyé dans son petit pack. Euh, la Olight ArcFlex, ok, donc ça c'est une nouvelle lampouille apparemment. On va regarder ça. Oh tiens, un petit étui carbone, ils font des bons trucs, hein, quand même. Hein. Là, on a un petit patch Olight 2024 avec la fête euh, chinoise, là, avec les dragons, là, tu vois, avec le mandarin qui fume, là. Donc ça, c'est sympa. Oh, qu'est-ce qu'on a, là, les potes Oh, putain Regardez ça, des patchs JP Vadana, merde Eh oui Donc euh, ça, c'est pas à vendre. Euh... Bon, ça, c'est une petite dotation. J'enfilerai aux potes, euh, quand veulent hein, directement, des petits patchs JP Vadana. Avec mon nouveau logo qui cartonne. Euh, gracias, Monsage, Cantino. Euh, qui m'a fait mon petit logo. Pénal. Hein. D'ailleurs j'ai même fait une casquette, les potes. Bon, on parle de Light hein, ou on parle de qui Enfin, bref. Donc, on va découvrir ce qu'il y a dans la petite boîte. Et voilà. Oh, marrant. Donc, ça, c'est quoi Une espèce de Rubis Cube, là. Voilà labelliser Olight hein, on voit hein. donc bon je sais pas bon. hein, tu peux t'amuser avec ce petit jeu Ça s'appelle le jeu de l'infini je crois et bon c'est un truc déstressant hein. donc euh, si tu as envie de tuer ton voisin ou quoi euh, ton parisien si t'as envie de le buter et eh ben non tu prends ton petit euh, jeu euh, comme ça Olight et puis tu te déstresses ok et puis là on va parler de cette lampe les potes donc euh, allez sur le site hein, pour vous faire la promo. Euh, vous avez les liens en description. Oh putain, regardez ça les gars là, un petit squelette, une lampe squelette. Donc allez sur la euh, sur les liens euh, en description de la vidéo les gars. Vous pouvez vous faire plaisir, vous avez des cadeaux offerts pour cette campagne. 10% permanent sur toute la boutique euh, par le biais de mon code et en plus euh, voilà, ça fait croquer les petits frères. Donc moi je me touche un peu de pognon et ça c'est assez cool. Ça peut payer les munitions, etc. Donc cette petite lampe hein, qu'on voit là euh, qui s'appelle la ArcFlex. Pourquoi Parce que, effectivement, vous l'avez vu. Eh bien, euh, tu peux l'incliner. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'avoir testé, tu peux te le mettre sur le callback quand tu bricoles et tout. Donc euh, le machin, euh, c'est magnétique. Hein. Attends, je prends un truc euh, en métal là dans le coin, peut-être. J'en sais rien. Voilà, donc une lame de Schlaz par exemple, qui a aussi du haut light, hein, au sauce de putain d'hachoir, moi j'adore. Donc voilà, donc euh, qu'est-ce que je veux te dire C'est que bon, tu peux couper ton saucisson directement avec ta lampe. Mais euh, non, c'est magnétique. Donc euh, l'intérêt, c'est que tu peux le caler sur ton établi ou quoi. Ou sous ta bagnole si t'es en train de bricoler dessus. Et puis, euh, bah voilà, quoi. Donc euh, je crois que c'est une des premières lampes euh, comme ça, là, qui est, euh, qui est foutue de la sorte. Sur le devant, tu as un indicateur de batterie. C'est stylé, hein, franchement, avec le petit squelette là. Hein. Donc euh, voilà, l'arc Donc euh, ils l'ont testé, hein, c'est garanti. Euh, au minimum 10 000 mouvements comme ça. Donc euh, technologiquement, c'est euh, une prouesse, hein, on va dire. Hein. Putain, Jean-Luc Lumen, il serait là, quoi. Il serait ouf. Et puis bon, donc tu as divers euh, degrés euh, d'intensité. Hein. Directement, on ira le voir euh, quand on fermera les poules, les potes. Et puis voilà, euh, trois clics, je crois que t'as un mode strom Strombo pour euh, faire vomir tous les épileptiques, ok Donc tous les épileptiques de la chaîne, et eh bien voilà, Dégueuler. à volonté. En tous les cas, donc euh, bon, bah, c'est vrai que j'en parlais beaucoup en hein, mode de light, hein, j'adore ça pour les euh, euh, pour leurs lampes tactiques hein, surtout. Hein. Mais euh, franchement, je suis refait moi avec leurs lampes. Euh, que ça soit leur lampe de camping, euh, de combat ou quoi. J'ai même eu droit, euh, les gars, euh, une petite personnalisation euh, d'une lampe. La bâtonnée euh, 3, la tampax. Donc c'est euh, franchement génial. Voilà, donc l'aspect collectif de la chose, les potes. Donc euh, cliquez dessus si vous voulez vous faire plaisir avec du light. Eh bien, vous pouvez les potes, ok les gars. Bien. Bon, on va aller fermer les poules directement. Et puis... Euh, voilà quoi, donc c'était pour vous parler de cette petite lampe, l'Arcflex, qui est franchement stylée. Enfin, je croyais qu'il allait faire un doigt d'honneur, mais en fait non, mais euh, bon, voilà. Ok les gars, bon allez, je vous dis à plus et puis on se voit au poulailler. Test nocturne de la Arcflex, les potes. Donc euh, bon, technologiquement, c'est quand même assez chiadé, hein, moi je trouve. Hein. Euh, c'est vrai que tu peux la mettre n'importe où. Hein, tu vois, du fait que ça soit magnétique, au niveau de la charge, au niveau de la position euh, de talent, tu peux la clipser eh bien n'importe où pour bricoler. Également, tu vois, avec ça, tu peux te le mettre euh, sur le callback et puis euh, bricoler tranquillement, ou alors tu peux euh, venir la mettre sur une casquette et puis euh, voilà quoi. Donc euh, moi, je trouve, c'est chiadé hein. Donc on va regarder un petit peu. T'as un témoin de batterie ici. Et puis euh, bon bah voilà elle est allumée euh, hop. alors t'as plusieurs degrés d'intensité voilà un toc un toc là on est en foule donc euh, ouais effectivement toi ça éclaire super bien hein franchement hein donc il a pas on peut voir que ça éclaire super bien donc euh, pas de soucis là-dessus. Hein. Donc, Donc si vous voulez faire un beau cadeau, là, par exemple, pour Noël ou autre, hein, c'est un bel objet, hein, honnêtement. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Tu peux te déplacer. Tu vois, tu as ça à ton daron, ton frère ou ton cousin, il n'y a pas de souci. Ça fait un très beau euh, cadeau de Noël. Et euh, voilà, quoi. En plus de ça, hop, tu peux rendre tes poules épileptiques. Bon, on va arrêter de les torturer, mais euh, bon. Non, non, c'est génial. Et puis en plus, c'est stylé. Moi, je trouve franchement les finitions des produits Olight, ça le fait, quoi. Non, il n'y a pas. Franchement, cool. Hein. Bon, voilà, les potes, allez, je vous laisse sur cette vidéo présentation à la mort. j'ai le secret, et on se voit sur une prochaine en botte aigle. Allez, bye!